Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous ce matin, Walid Selman, bonjour. Bonjour, bonjour Hakim Bey, bonjour mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sommaire de la matinale de ce dimanche 3 décembre. Le prix du président de la République du journaliste professionnel décerné ce dimanche. L'importance de la formation continue du journaliste, un impératif souligné hier par le ministre de la Communication. Le rôle de la presse algérienne face à la propagande sioniste et occidentale. Salut. À Gaza, un nouveau carnage perpétré hier soir par l'armée sioniste à Jabalia, plus de 100 martyrs dans un seul raid. Et puis 47e conférence du comité de soutien pour la cause sahraoui, il se tient en Espagne. L'Algérie réaffirme son soutien à la cause sahraoui. Et puis en sport également, coupe de la CAF, deuxième journée de la phase de poule, le représentant algérien l'USMA d'Alger affronte les Sud-Africains des Super Sports United. Les journalistes, les hommes et les femmes du secteur des médias, honorés Walid Selman. Le prix du président de la République du journaliste professionnel décerné aujourd'hui, c'est la 9e édition. Les lauréats des 5 catégories seront récompensés pour leurs travaux ayant trait à la sécurité alimentaire, énergétique, hydrique, mais aussi la créativité et l'innovation de la jeunesse algérienne. Un prix qui a comme objectif d'encourager l'excellence journalistique et la créativité au sein de la presse nationale. Samir Alouna. Une 9e édition qui s'articule autour de thématiques cruciales en phase avec les enjeux nationaux, des problématiques à surmonter à l'aide de solutions modernes liées au développement au sein de plusieurs secteurs, différents thèmes abordés par les candidats, des travaux individuels ou collectifs. Le prix du président de la République du journaliste professionnel se divise donc en 5 catégories, presse écrite, information radiophonique, information télévisuelle, presse électronique et enfin illustration ou photographie, tout format média confondu. Invités à participer avec des reportages, des enquêtes, documentaires en lien avec les thèmes retenus. Des thèmes qui abordent à la fois la sécurité alimentaire et hydrique, des reportages qui touchent à la gestion durable des ressources en eau et des terres agricoles. Autre thématique, la sécurité énergétique et ses enjeux géopolitiques, avec des travaux qui mettent en valeur le développement durable, voire les énergies renouvelables. Une thématique également qui se focalise sur la nouvelle Algérie, le renforcement des capacités de la créativité de la jeunesse algérienne, avec l'entrepreneuriat, l'innovation et l'économie de la connaissance au cœur de ces sujets. Le prix du président de la République du journaliste professionnel vise à promouvoir et à encourager l'excellence journalistique, à pousser la créativité, le professionnalisme et l'innovation au sein de la presse nationale sous toutes ses formes, tout en récompensant les meilleurs travaux qui contribuent à sensibiliser et à faire avancer les thèmes choisis pour cette 9e édition. Et transition toute faite justement pour évoquer la conférence organisée hier sur l'information et les défis actuels initiés par le ministère de la Communication dans son intervention hier à l'ouverture de cette conférence. Le premier responsable du secteur, Mohamed Laghab, a relevé l'engagement du président de la République à accompagner le secteur des médias. Le ministre de la Communication qui a mis par ailleurs en avant les défis auxquels font face les médias et les changements dans les pratiques journalistiques, notamment dans ce contexte marqué par la guerre de l'occupant sioniste contre Gaza. Nous avons organisé cet événement sur les médias et les défis actuels avec les évolutions géopolitiques mondiales, notamment le saut qualitatif dans la question palestinienne et l'agression sioniste brutale contre la bande de Gaza. Ces événements ont engendré des pratiques médiatiques non professionnelles et immorales de la part des médias occidentaux en général. De même, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a entraîné un changement radical dans la pratique médiatique mondiale, sans oublier les tensions hautement sensibles en Asie et d'autres défis. Les transformations qui imposent de nombreuses responsabilités au niveau national, régional et même pour les défenseurs de la liberté dans le monde. Et à propos de la situation justement à Gaza, après une semaine de trêve, la bande de Gaza a été de nouveau violemment bombardée depuis vendredi, y compris les villes du sud comme Khan Younes et Rafah. Le point de la situation avec vous, Linda Babsa. Le malheur frappe de nouveau les 2 300 000 Gazaouis dont les deux tiers ont fui leur maison et s'entassent pour une bonne partie d'entre eux dans le sud de l'enclave qui n'a pas été épargnée par les bombardements. Au total, le bilan des attaques israéliennes contre la bande de Gaza est de 15 200 morts, plus de 40 000 blessés et 8 000 disparus sous les décombres. Un bilan appelé à s'alourdir dans les heures qui viennent.
L'armée israélienne tire sur tout ce qui bouge, y compris sur les convois humanitaires de Médecins sans frontières, sur les véhicules de la protection civile et les ambulances du Croissant-Rouge. Hier, on comptabilisait 400 cibles touchées en 24 heures et à Jabalia, un seul raid a fait jusqu'à 100 martyrs. 650 autres personnes ont été également blessées lors de centaines de frappes aériennes, d'artillerie et de bombardements navals. Par ailleurs, la situation est dramatique pour les déplacés qui se sont réfugiés dans les écoles où les conditions de vie sont quasiment inexistantes, pas d'eau, pas de nourriture et pas de conditions d'hygiène. Les hôpitaux ne peuvent assurer que les soins d'urgence, plus possible de pratiquer des opérations, plus de services de réanimation, plus de banques de sang et plus de dialyse possible. À Gaza, la vie est quasiment insupportable. 110 000 personnes ont été asphyxiées par les bombes au phosphore. Depuis deux jours, l'armée israélienne cible particulièrement Khan Younes, Jabalia, Nusayrat et Beit Lahia. 100 000 bombes ont été déversées sur Gaza qui manque de tout. Gaza qui manque de nourriture, de médicaments, d'eau, d'électricité, de chauffage. Les besoins en fait sont énormes. Il faudrait 1 000 camions d'aide et 1 million de litres de carburant pour que les hôpitaux et les infrastructures touchées par la guerre puissent reprendre leurs activités. Justement, plus aucun endroit n'est sûr, à Gaza y compris, dans le sud de l'enclave, l'entité sioniste s'est tracé des objectifs de détruire toute la base de la résistance de Hamas et attenter à la vie de ses dirigeants à travers le monde. Témoignage depuis la Cisjordanie du journaliste palestinien Khaled Al-Faqih, recueilli par Karima Ben Noura. Deux jours après l'expiration de la trêve, les bombardements et les raids de l'aviation sioniste ont repris, faisant plus de 250 martyrs palestiniens. Il y a aussi des zones qui ne sont pas accessibles. L'occupant sioniste affirme que ces opérations vont s'étaler dans le temps et qu'il ne quittera pas Gaza avant d'en avoir pris le contrôle militaire. L'occupant sioniste affirme qu'il compte détruire toute la base de la résistance de Hamas et qu'il s'est tracé un objectif, attenter à la vie des dirigeants du Hamas à travers le monde. Il affirme qu'il a obtenu le feu vert des Américains pour poursuivre ses opérations militaires et des milliers d'innocents en payent aujourd'hui le prix. Aucun endroit à Gaza n'est épargné par les bombardements, pas même le sud. Pourtant, l'occupant sioniste en avait fait une zone de refuge. Et les événements tragiques que vit le peuple palestinien ont mis à nu le traitement biaisé de la réalité par les médias occidentaux de cette guerre menée contre le peuple palestinien à Gaza. Majid Nahmad, directeur de la revue Afrique-Asie, parle de banalisation du crime par ces médias. Extrait de son intervention hier dans l'émission politique du samedi, Kanim Shakib Benzawi. Avec le respect que je dois pour la profession, il ne s'est trouvé aucun journaliste ou quelqu'un sur un plateau de télévision en Europe pour dire « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de comparer là? Vous savez ce que ça signifie, 40 000 tonnes de bombes ?» Et justement, c'est cette banalisation du crime qui est extrêmement grave dans la presse occidentale. Économie, l'Algérie, représentée par son délégué permanent à Vienne, l'ambassadeur Larbi El-Drachaï, plébiscité à la vice-présidence de la 20e session de la Conférence générale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui s'est tenue à Vienne, en Autriche, intervenant lors du débat général en qualité de chef de la délégation algérienne. Le diplomate a affirmé que le développement industriel en Algérie est un objectif à dimension nationale et un choix stratégique en tant que principal levier d'un projet économique productif. Justement, l'exploitation de la mine de Raj Bilat. Le président de la République avait procédé jeudi dernier à la pose de la première pierre du projet de réalisation de l'usine devant exploiter ce gisement, un projet stratégique qui permettra de produire 40 millions de tonnes par an à l'horizon 2040. Il s'agit de garantir un développement durable de l'industrie du fer et de l'acier à l'échelle mondiale même et de réaliser des revenus importants pour le pays. Rimbo Kadom. La mine de Raj Bilat recèle plus de 3 milliards de tonnes de réserves. Le lancement de ce projet d'envergure va permettre dans une première phase l'extraction de près de 2 millions de tonnes de minerais de fer par an. Elle est considérée comme l'une des plus grandes mines de fer au monde. Mesoud Houfani, conseiller du ministre des Mines. Nous avons lancé les travaux d'exploitation de la mine de Raj Bilat dans la ville de Tindouf. C'est un gisement d'importance mondiale si on considère la réserve plus les taux de production prévus dans les années à venir. Et nous avons commencé
commencé à travailler sur le pôle industriel au niveau de Béchar. Et nous avons commencé à travailler sur le tracé du chemin de fer de Béchar-Tindouf. D'autres projets complémentaires vont suivre, tels que la réalisation d'un complexe de transformation de minerais de fer de la mine de Gardjbilet en matériaux semi-finis à Béchar, ainsi que la réalisation d'une voie ferrée de 1000 km reliant Tindouf-Béchar. Le projet de la voie ferrée a bénéficié d'un montant supplémentaire de 432 milliards de dinars en 2023. Ahmed Ben Abbès, PDG de Ferral. Pour rentrer réellement en exploitation, il faudra réaliser les usines de transformation qui sont prévues à Béchar. Nous avons signé des partenariats. Cet accord prévoit la construction d'une usine à partir du début 2024 et ça va durer jusqu'à 2026. Ça correspond exactement à la disponibilité de la voie ferrée. Nous allons construire un complexe de 1 million de tonnes pour la production de produits semi-finis sidérurgiques. Et dès que la voie ferrée sera terminée, nous allons entre-temps lancer les autres usines, soit l'extension de capacité, soit d'autres produits, pour arriver à une capacité finale de l'ordre de 12 à 15 millions de tonnes. Il s'agit d'un projet stratégique basé sur une approche intégrée et de manière complémentaire avec les différents projets industriels et infrastructures y afférents. La délégation parlementaire algérienne participant aux travaux de la 47e conférence de coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, le COCO, qui se tient en Espagne, a réaffirmé la position inaliénable de l'Algérie vis-à-vis du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, une position que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'a eu de cesse de souligner en déclarant que nous n'abandonnerons pas le Sahara occidental, quel qu'en soit le prix. Et à propos du Sahara occidental, rappelant que le gouvernement fédéral allemand a décidé d'exclure tout financement de projet du géant des énergies alternatives Siemens au Sahara occidental occupé par le Maroc, une déclaration du vice-ministre allemand des Affaires économiques. Du sport, avec la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF, l'USMA d'Alger affronte aujourd'hui les Sud-Africains des Supersport United. Et puis, suite et fin de la huitième journée de Ligue 1 avec la victoire de la Sochelef de 2-0 devant Souf, nul entre la JS Saoura et l'Entente de Sétif et victoire à l'extérieur de la JS Kabylie au détriment du Moulia d'Oran. 3-1. Le Moulia d'Alger reste leader après sa victoire. Justement, sa victoire 1-0 lors de la première phase de cette huitième journée du championnat de Ligue 1. Et de la culture, pour terminer, direction le Musée National des Beaux-Arts, pour parler d'une exposition intitulée « Racines d'une Afro-Argentine » organisée par le ministère de la Culture et l'ambassade d'Argentine, Fatah Boumati. À travers 4 vidéos, 25 tableaux, 31 portraits grands et petits formats et une installation visuelle, l'artiste peintre et photographe argentine Gaby Messina rend hommage aux Africains qui étaient considérés comme des esclaves et déportés en Argentine durant la colonisation, dénonce le racisme et nous fait découvrir également une partie de son identité africaine. Tiene que ver con un proyecto. Ce travail fait référence à une réflexion sur soi et sur l'histoire, mais aussi un hommage à tous les esclaves qui ont été amenés de force en Argentine à l'époque coloniale. Ici en Argentine, dans les manuels d'histoire, on enseigne toujours que nous sommes une nation blanche et européenne. Je trouve que c'est une forme d'indifférence et on ignore l'histoire de notre pays à propos de ces gens qui sont venus sans choix. Ils ont été forcés et arrachés à leur vie, à leur famille et à leur terre et ont été embarqués sur des navires. Y los han puesto en barcos. Cette exposition véhicule deux messages. Es un doble mensaje porque también considero... Mon travail fait référence également à une femme afro-argentine. C'est un double message car je considère aussi que cette œuvre me traverse dans ma propre histoire. Je me sens également africaine et fière. Je sens que je viens de ce magnifique mélange et je rejette tous ces courants qui disent que nous sommes fondamentalement des Européens. Blanca y europea. Racine d'une Afro-Argentine, une exposition absolument à visiter. Elle s'étalera jusqu'au 17 décembre et c'est au niveau du Musée des Beaux-Arts. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Isa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.